Même si ça m'a, entre parenthèses, beaucoup fait sortir de ma zone de confort. Attends, la zone de confort. X, c'est sa chambre et son lit. Ah ouais, j'avais pas lu cette punch. Comment vont-ils? Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. On dirait que j'ai fumé 15 clopes alors que je ne fume pas du tout. Bonsoir à tous. Messieurs, dames, bonjour. Comment allez-vous? Je vous dis juste que ce soir nous serons que vous et moi. Et qu'il n'y aura pas, donc Loïc, qu'il n'y aura pas notre cher ami Daniel. Alors, afin de commémorer sa présence, j'ai décidé de m'habiller comme lui. Messieurs, dames, Loïc s'endort. Je ne sais plus qui je suis, mais c'est pas grave, la chemise à carreaux, elle est pour nous ce soir, les amis. Oui, encore du beau tissu. Ça, c'est prestige. C'est prestige, je vous l'ai toujours dit. Pendant toute cette saison de live, je vais tâcher d'avoir des chemises différentes. La vidéo qui fait débat, une tier list des... Mais on va faire ça en live. On va faire une tier list des chemises. Que quelqu'un note. Que quelqu'un note. On fera une tier list des chemises. On ira piocher des petites chemises à droite, à gauche. Et avec Loïc, on fera une tier list chemise. Je n'en ai rien à secouer. C'est le prochain live avec Loïc. On fera ça, il n'y a pas de souci. On fait une tier list chemise. Et on achètera, si elle n'est pas à 800 balles, la chemise tier S. J'ai reçu le dernier Brickmac tout simplement parce que... Salut Dark Small, je suis dedans. Ma personnalité, mon humble moi est dedans, regardez. Et vous savez quoi? Comme je suis d'humeur sympathique, on va se lire ce petit article. Je vais me mettre mon casque, lunettes. Je vous lis l'article. Pour ceux qui ont le manuel scolaire, c'est page 46, d'accord? Donc on y va, on reprend s'il vous plaît. On bavarde pas dans le fond de la classe, merci. Alors, je vais vous lire le premier paragraphe. Quelle a été votre motivation dans votre candidature à l'émission? Alors, Loïc répond. Ouvrez les guillemets. C'est un défi personnel. Comment ça, quelqu'un fait un feu dans la classe? Écoutez-moi bien, bande de cancres, là. Oh. Personne ne fait le feu. Ok? On prend le livre. On l'ouvre. Page 46. Ceux qui savent pas lire au premier rang, c'est pas grave, vous suivez sur les voisins. Alors, Loïc. Faut que je chope la voix de Loïc. C'est un défi personnel et une aventure entre amis avec Sandor. Je ne fais pas de construction à la base, donc je ne pensais pas être sélectionné. Mais grâce à pas mal d'entraînement, avec Sandor, j'ai réussi à atteindre un niveau suffisant pour pouvoir me débrouiller pendant les castings, puis pendant les épreuves. Sandor! Bon bah, ma voix, hein. J'ai voulu participer à l'émission afin de relever un défi, connaître mon niveau et pouvoir me jauger contre d'autres compétiteurs. Je suis très friand de connaître les compétitions. C'était également l'occasion de participer avec Loïc à une aventure qui s'annonçait drôle. C'était bon pour ma voix aussi? On garde ces voix-là? Ok, ça marche. Comment s'est passée votre expérience, Lego Master? Loïc. C'était un peu dur sur les premières épreuves, mais j'ai réussi à m'adapter. C'était une sacrée expérience et je ne regrette absolument pas d'y être allé, même si ça m'a... Entre parenthèses... Je dis mauvais ça, en même temps, ça me fait rire. Même si ça m'a, entre parenthèses, beaucoup fait sortir de ma zone de confort. En même temps, la zone de confort, X, c'est sa chambre et son lit. Ah ouais, j'avais pas lu cette punch. Excusez-moi. J'ai très apprécié l'entraide et la bonne entente entre les candidats. L'expérience s'est très bien déroulée. Oh oh. Nous avons découvert le monde de la télévision, ses contraintes, ses aspects cachés. C'était très enrichissant. Nous avons également fait de très belles rencontres chez les candidats. Ou dans l'équipe technique. Il était également très sympathique de faire la connaissance avec les jurys. Quel a été votre plus beau moment dans l'émission? Loïc, sans aucun doute, notre victoire dans l'épreuve de la tour infernale, c'était physiquement une des épreuves les plus compliquées. 6 heures pour designer et construire une tour de 1m20 solide, c'est très compliqué. La joie que j'ai ressentie quand notre tour a atteint le niveau 10 et les compliments reçus par les juges restent un de mes meilleurs souvenirs. Sandor, sans conteste la victoire sur l'épreuve de la tour infernale, on a tout donné sur cette épreuve et nous avons arraché une superbe victoire. De plus, on était sur la planche, alors cette victoire c'était la meilleure option. J'ai marqué 3 fois victoire. Pas très bon, les gars. Monsieur, pourquoi vous êtes déguisé en vendeur le roi Merlin? Alors, ici c'est le royaume PVC. Là, c'est le rayon boiserie. Et là-bas, vous avez tout ce qui est visserie. Voilà, bon, vous connaissez le magasin. Le plomberie, c'est allez 34. Comme la page. Ah, c'est 46. Pardon, je me suis trompé.
Quelle création vous a causé le plus de stress, Loïc? J'hésite entre la brique suspendue et le Hero Shot. Pour la brique suspendue, plus l'épreuve avance, plus le stress monte. On a vraiment peur que tout notre travail s'effondre d'un coup. Pour le Hero Shot, on a beaucoup plus eu de mal à trouver de l'inspiration avec Sandor. Et en plus, il a fallu changer la couleur de la juge... de la jungle, pardon, 3 fois. On n'a pas du tout changé la couleur de la juge. La juge, maintenant, elle est violette. Comme la gamine qui nous a éliminés. Ah, pardon. Donc, il a fallu changer la couleur de la jungle 3 fois et je ne pensais pas réussir à faire une construction qui puisse plaire à Georges et Paulina. Sandor. Je ne sais pas si une création m'a donné beaucoup de stress, mais la création des explosions, le Hero Shot, est restée la plus compliquée. Si vous deviez décrire votre binôme en un mot, lequel et pourquoi ? Persistant. Peu importe la situation, il va de l'avant. C'est vrai. Même quand on était en panne d'inspiration, en retard ou que des Brickmasters nous disaient qu'il fallait tout changer, sa détermination nous a permis de s'en sortir et de finir les épreuves. C'est vrai. Sandor, pour Loïc, c'est un fast learner. Ce mec a réussi à intégrer une quantité phénoménale d'informations pour se mettre au niveau des autres candidats. C'est un binôme vainqueur. Voilà. Monsieur, comment fabrique-t-on une trancheuse à saucisson ? On le verra dans le prochain cours.